quand tu étais là, il fallait pas penser à le toucher, il fallait sortir. Ouais, ouais, ouais. Le problème, c'est que tu sors qu'une fois. Tu dois penser à sortir deux fois. D'accord, d'accord. Quand t'es en face du mec là, le mec il avance sur toi, voilà. Tu vois, ça me fait chier. Deux fois. Voilà. Pas une fois. Sors une fois. Sors une fois. Je vais te rattraper. Ouais. Sors deux fois. Tu vois, j'ai dit, mais frappe-moi, t'as le temps là. Boum. Tu comprends? Et ça, j'ai appris ça d'un thaï. Tu vois, quand il bouge là, là, ta jambe, tu peux partir en diagonale. Ouais. Très peu de gens font ça. Parce qu'ils veulent toujours rester en contact s'ils font ça. Mais tu l'aides le mec. Mais quand tu fais ça, tu sors de là, le mec il a du mal. Après de là, tu peux respirer et lui il a du mal à te cadrer. Tu vois, par exemple, je suis là. T'avances sur moi, tu mets la pression, tu m'en mets un coup, je me suis fait toucher. Oui. Voilà ce que je vais faire ici, cette jambe, je vais mettre là. Mais après, quand je vais faire le pas, mon pas il va être plus grand. Ouais, plus grand. Les mecs, en général, quand ils se font toucher, ils font ça. Tu vois, qu'est-ce que t'as envie? Ah si, ça. T'as envie de me suivre? Ah ouais, ça me rappelle moi ça. Je touche, je fais là, je vais là, genre là. J'ai fait très peu d'efforts, mais j'ai fait beaucoup de performances.